Wat voor nut heeft een grens als bossen, moerassen en waterlopen op elkaar lijken, in elkaar overlopen en haasje overspelen? Het hoeft dus niet te verbazen dat het Parc Naturel de Plaine de Lescaut graag de grens wil openstellen die het van haar Franse tegenhanger scheidt. Het Parc Naturel Régional Scarpe Escaut. Deze twee parken vormen samen het Parc Naturel Transfrontalier du Hainaut. Voortaan zal er in het natuurpark aan beide kanten van de grens een geïntegreerd, gemeenschappelijk natuurbeleid gevoerd worden. Dat gebeurt met acties om de natuurgebieden en landschappen te verzorgen, om de lokale producten nieuw leven in te blazen, om het milieubewustzijn aan te scherpen, om de toegankelijkheid voor het publiek te bevorderen en met tal van andere promotieacties. La collaboration entre les parcs, il faut bien s'entendre, c'est que c'est vraiment une collaboration qui se voulait en fait de vraiment du territoire, c'est-à-dire des acteurs du territoire, des élus qui ont voulu travailler, ont commencé à travailler ensemble sous le couvert d'un parc naturel transfrontalier. Et donc c'est une dynamique vraiment qui est issue du terrain, qui est remontée et qui s'est renforcée dans tous les domaines. Alors dans les domaines effectivement d'éducation à l'environnement, dans les domaines de la gestion de l'eau, dans les domaines de la nature, dans les domaines aussi de l'aménagement du territoire, des paysages. Donc on est vraiment au fur et à mesure de l'évolution de cette coopération, elle s'est diversifiée, renforcée et surtout effectivement avec le soutien des financements Interreg, forcément, et elle a permis de se pérenniser pendant cette durée-là. Voici quelques témoignages d'habitants du parc qui illustrent ce qu'on réalise pour eux. En fait, ici, avant, c'était une ancienne friche industrielle, c'était une ancienne sucrerie. Donc j'ai un grand terrain, donc avec le parc, j'ai essayé de mettre ça en valeur pour respecter la biodiversité. J'ai signé une charte avec le parc et qui m'aide à les deux choses les plus importantes, c'est le fauchage des prés, l'exportation du produit de fauche, et puis aussi la taille des arbres têtards. Donc j'ai une bonne aide du parc et aussi une expertise pour savoir ce que je dois faire parce que on apprend petit à petit, mais on ne sait pas tout. Donc ici, avec l'expertise du parc, j'ai fait une haie spécialement pour les oiseaux. C'est une haie qui permet aux oiseaux de se nourrir, donc tous des arbres avec des baies, mais aussi des arbres avec des épines pour qu'ils puissent aussi faire leur nid en toute sécurité et contre les autres prédateurs, les pies et les corneilles. Donc et je dois dire que j'ai beaucoup de succès parce que dans cette haie, il y a énormément d'oiseaux qui ont fait leur nid cette année et qui auront à manger pendant une bonne partie de l'automne et de l'hiver. Dans le cadre d'un concours organisé par le Parc naturel des Plaines de Lescaut, en collaboration avec le parc français voisin Scarpe Escaut, un concours est organisé. On demandait aux habitants du parc de comparer, je vais dire, deux photos. Une photo ancienne qui datait, pour ma part, du début du XXe siècle, avec une photo récente prise exactement au même endroit. Les parcs vont essayer de prolonger un petit peu cette vision du paysage. Et je pense que, je ne dis pas chaque année, mais régulièrement, on va demander de refaire des photos des mêmes endroits pour voir un peu l'évolution du paysage à travers le temps. Bien, le parc naturel m'a restauré trois arbres fruitiers cette année. Ce sont des arbres très hauts. Donc il fallait l'intervention d'un professionnel pour ces arbres parce que bon, le particulier comme moi n'est pas équipé pour intervenir sur des arbres de cette taille, de cette hauteur, de ce volume, quoi. Nous d'abord on finance des restaurations que ce sont des arbres qui en valent la peine. Les petits arbres où les gens peuvent les tailler eux-mêmes, l'objectif c'est de les apprendre à le faire. C'est-à-dire qu'on organise des demi-journées, hein, en France et en Belgique, puisqu'on a un parc transfrontalier du Hainaut, donc on organise des demi-journées chez des vergers, chez des particuliers hein, qui ont un petit verger. On a fait autant de formations en France qu'en Belgique, et on essaie de faire les formations, souvent la moitié des formations sont vraiment sur des villes frontalières, quoi. Et ce qui fait qu'en fonction des dates, les gens viennent en France ou en Belgique en fonction de leur calendrier,
Donc on a souvent autant de Belges que de Français, ou plus de Belges en France et plus de Français en Belgique, peu importe quoi. Et au bout d'un moment, on ne sait plus dans la formation qui est Belge, qui est Français, quoi. Mais ça fonctionne très très bien, quoi. Du côté wallon, nous sommes un peu à un niveau, un moment charnière de notre vie, de notre parcours, puisque nous avons un nouveau décret wallon qui a été adopté en 2008 et qui va nous permettre de nous mettre en conformité et donc d'adapter un nouveau plan de gestion. Donc il est important de préciser que le nouveau décret wallon a reconnu l'importance de la coopération transfrontalière et donc a incité les parcs à s'engager dans cette coopération, sans doute de par l'exemple du parc naturel transfrontalier du Hainaut, aidé par les programmes Interreg. Donc c'était important de le souligner. Et puis la perspective dans les années prochaines, c'est certainement d'aller véritablement vers un projet de territoire. Au-delà d'une coopération entre guillemets simple, on est beaucoup plus loin sur un véritable projet de territoire avec des élus, des acteurs et des habitants, sur sans doute un parc avec une reconnaissance de niveau européen et avec sans doute une structure juridique commune qui nous aidera à mieux fonctionner ensemble. C'est vrai que la dynamique transfrontalière est maintenant existe depuis assez longtemps, depuis 1989, et s'est renforcée au fur et à mesure des années. Aujourd'hui, on est dans une perspective de se projeter vers l'avenir pour le parc français, avec une nouvelle charte du parc qui a un objectif de 2022, donc s'engager entre 2010 et 2022 sur une charte transfrontalière. Cette charte transfrontalière, c'est la première qui existe dans le réseau des 46 parcs français. Donc c'est on a été le premier parc créé en France, on devient le premier parc à avoir une charte transfrontalière.